7 jours. Tu fais les feignes, vous ? Ouais, aussi. Ah oui. Ah bon. J'ai appelé Tournu, j'ai appelé Macon, j'ai appelé Beaune, j'ai appelé Dijon. Dijon, ils m'ont dit si ça bouge pas vers nous, si vraiment il n'y a pas un gros mouvement, ils viendront nous rejoindre. Mais de toute façon, le monde, il y a des gens d'Autun qui viennent. En fin de matinée, des gens d'Autun qui arrivent cet après-midi. Cet après-midi, vous serez aussi sur Chalon, quoi. Enfin, Chalon ou la périphérie, on bouge pas. Parce que moi, c'est ce que je dis, le matin, c'est dur de mobiliser. On y voit. Ah oui, oui, c'est Bah oui. Le samedi matin, il y a des gens qui travaillent, les gens ont des enfants, il faut les lever, les faire déjeuner, les emmener chez papa. On est à 10 jours de Noël, là. Donc, de bonne heure le matin. Et tu regardes, les gens arrivent en fin de matinée et en début d'après-midi, donc on sera beaucoup plus nombreux. Mais bon, et là, comme arrive, on a fait déplacer. Ce matin, regarde ce qui arrive. Comme on a fait déplacer les gens, on va leur demander de choisir ce qu'ils veulent faire. Là, tu vois, j'ai des gens qui me proposent filtrage rond-point Amazon. J'en ai d'autres qui me proposent de rester en groupe de masse et dans les rues de Chalon. On se met dans un coin, on se met tous les deux, on leur demande. On leur propose certaines choses, tous les deux, si tu veux. Moi, si tu veux, je me mets avec toi. On leur propose certaines choses. Après, ils prennent ou ils prennent pas, on voit ce qu'ils veulent faire. Ouais. S'il y a des gens qui ont des propositions. De toute façon, ça sert à rien d'aller devant une sous-préfecture ou aller devant chez Amazon un samedi. Personnellement, des plateformes logistiques, c'est tout fermé. Amazon ils bossent, mais il n'y a pas de poids lourd qui rentre. Si, ils rentrent samedi. Il n'y a que le dimanche. Ils rentrent samedi. Là, ça va y aller. Amazon, là. C'est plein de monde. Amazon, ça lui. Surtout en ce moment. Le dimanche, il y a une équipe qui ne font que le week-end. Ils sont payés 35 heures. Donc, ça commence à arriver. Hein. Le rendez-vous était pour 8 heures, mais c'est vrai que le matin. Il fait froid et c'est un peu compliqué, mais voyez que le nombre de gilets est en train d'augmenter. Et donc, ils vont se réunir pour décider de leur... Bonjour. Bonjour. De leur action d'aujourd'hui. Alors, il va se passer quoi là pour l'instant aujourd'hui ? Rien du tout. Rien du tout ? Je sais pas. Vous vous réunissez pour savoir ce que vous allez faire ? Vous avez été content parce que les gens étaient bien loin. De toute façon, c'est pas vrai. Il y a beaucoup qui connaissent. Il n'a pas allé. Beaucoup, il était bien entouré. Ah, bah alors là, de toute façon, la pilote était bien loin. Les gens qui se sont arrêtés, c'est que les gens montraient. Je sais pas, moi j'étais à Macon samedi, on était 400, peut-être plus, hein, mais ils avaient voir, il y en avait d'ailleurs, ils n'avaient pas nous acheter maintenant. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc pour l'instant, il ne se passe pas vraiment grand chose. Comme vous le voyez, on est en attente d'avoir un peu plus de monde et pour prendre des décisions d'action. Donc nous avons la présence de France 3 et de la presse locale. Ah, un arrivage de Macon. Allez. Eh ben, vous êtes venu me donner un petit coup la main à la première. Les Maconnais viennent d'arriver. Et tous ensemble, Hey! Hey! Ils ont déjà tout bloqué les Condés, dis donc. Ils ont fait venir TF1. Ils voulaient pas que vous arriviez. Ah, mais moi je suis né ici, moi, dans la cité là, tu vois. Moi je me rappelle d'où je viens, moi. Il y a encore. Cette cité là, moi. Je suis né ici, moi. Eh, il y a encore ton gilet jaune, là-bas.
J'ai encore mon frère qui habite à Lyon. J'ai encore mon frère qui habite dans cette cité. Ouais, à Paris. Donc quand ils ont bloqué tout le pont là-haut. Ils ont contrôlé les gars aussi. Ah ouais, d'accord. Il y a eu un accident. Après, alors j'aurais dit heureusement que moi je connais bien Chalon, je suis ici, donc on est passé par le par l'île Saint-Laurent. Juste en tant que touriste. Merci. Ils ont des gros trucs chauds, des trucs smart et tout. Merci. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. On va oublier. C'est léger, attends, viens. Ah, mais on le met pas devant, laisse. Non, mais c'est. Parce que ici aussi, il y a boulanger, il y a Décathlon. Tout ça, c'est la famille Muliez. La famille Muliez, ça défiscalise à plein pot. Leur siège social, il est en Belgique. Ils ont trois sièges sociaux. Ils ont un siège social en Belgique, un au Luxembourg. Ricoman aussi, je suis, c'est la famille Muliez. Et un aux Pays-Bas. Ricoman aussi, c'est la famille Muliez, je suis. Ricoman aussi. Oui, parce que Ricoman, c'est la. C'est le. Maison tout. Bah oui. Déjà, il peut passer ta rue, c'est ça. Nous reprendrons ce direct dans quelques minutes quand ça bougera un peu plus. À tout de suite.